Alors, tu es prêt? Salut tout le monde, c'est Minzer. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau jeu rétro. Enfin, pas vraiment un jeu rétro à proprement parler, c'est plutôt une ROM hack de Sonic qui se nomme Sonic the Hedgehog Christmas Editions. Voilà, autrement dit, une version Noël de Sonic le Hérisson. Alors, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas un véritable jeu pour la simple raison que ce jeu n'existe pas. C'est tout simplement une ROM hack. Et contrairement à celle-là, et franchement, c'est assez bien foutu. En plus, ça fait très esprit de Noël. D'ailleurs, c'est vraiment un jeu spécial Noël. Voilà. Et évidemment, il s'agit d'une ROM hack du premier jeu. À savoir Sonic le Hérisson sorti en 1991. Sur Sega, bien évidemment. Alors franchement, je ne sais pas qui est le créateur de cette ROM hack, mais franchement, faire une ROM hack de Sonic avec dans qui respecte avec une ambiance très fête de Noël, je trouve que c'est amplement bien trouvé. Non, non, enfin, sérieux, c'est propre, y a rien de mais franchement, c'est cool, franchement, j'adore, moi, c'est assez original. Bon, et ben, ah oui, bon, excusez-moi si j'ai pas mis les sons pour la simple raison que j'avais peur que vous puissiez pas m'entendre. Et qu'est-ce que cela ne tienne. De toute façon, c'est le thème de Green Valley. Donc ça va, on connaît. On va pas non plus l'écouter 30 milliards de fois. Attendez, je vérifie qui. Bon, alors, franchement, ce jeu, comme je viens de vous le dire, il a beau être une ROM hack du jeu du premier jeu Sonic, je le trouve vraiment bien foutu, hein. En plus, Sonic, il a échangé sa peau bleue contre une peau verte. Et ils ont même mis... Attendez, si vous voyez bien là, ils lui ont mis un petit bonnet de Noël. Alors ça, franchement, je trouve ça assez flatteur. Oui, alors attention, parce que... Bon, ce jeu a beau être une ROM hack, il peut être aussi très aveuglant. Mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même à passer. Ça va, j'ai pas trop galéré, j'ai pas trop perdu de réflexe. Et je suis passé vers la zone où il faut récupérer l'émeraude. Alors oui, au départ, je voulais faire un épisode spécial Noël avec un petit court-métrage. Mais bon, malheureusement pas pu avoir d'idée. Je suis désolé. Oula, attention, ne pas... Oh là, masse. Oula. Oui, il y a une chose qui est chiant avec ce genre de dimension, parce que il faut non, c'est bon, ça y a rien, y a rien. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Nanana, bon, ça va, c'est bon pour une ROM hack, je trouve ça assez beau. Encore faut-il aimer les ROM hack de Sonic. Je trouve cette version un petit peu plus classe et un peu plus jazzée par rapport à l'autre, celui que j'avais testé, le ROM hack de Sonic Ordinary, oui, ROM hack, où je me suis tapé la plus grosse honte de ma vie. Voilà, moi là j'ai réussi à récupérer l'émeraude du chaos. Donc on va s'intéresser au niveau 2, voilà. Bon, on va essayer d'aller au moins d'aller jusqu'au boss, c'est-à-dire jusqu'à Robotnik. Voilà, attention, on n'a pas l'attention Piranha, ah merde, ok, j'ai pas fait gaffe, je suis désolé. C'est pas grave. Pas non plus dramatiser. Allez, voilà, c'est parfait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une plateforme qui se balance. Voilà. Voilà. Bon, permettez que je récupère les anneaux. Ah merde! Oh là là! Quand je vous dis que le décor est assez aveuglant, on n'arrive pas très bien à distinguer les ennemis, et encore moins le paysage. Faut vraiment, mais aller. Ah si, je crois qu'il y a une espèce de passage secret, mais j'arrive pas à l'activer. C'est pas grave. Oula. Attention, ne faisons pas n'importe quoi. Ok. Là, ça va. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, mis à part ça, comme je viens de vous le dire, je trouve le jeu mais vraiment très beau, hein. Surtout pour une ROM hack. On devrait faire des jeux de Sonic spécial Noël. Je sais pas pourquoi. Enfin, je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en existe encore une. Et il faudrait aussi faire des
des jeux de Noël. Enfin, j'en connais pas, j'en connais très peu, mais bon, hein, je vais voir si je peux les tester. Hein. Alors, attends, voilà, c'est bon. J'essaie de bien récupérer les petits anneaux. Voilà, c'est parfait. Ah zut, c'était pas assez. Bah zut. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi Sonic. Attendez. Sonic, il est beau, être rapide et il est un petit peu. Je sais pas, je le trouve un petit peu lent. Je sais pas pourquoi. Ah! Voilà, super. Un petit bouclier protecteur. Voilà. Voilà, le checkpoint. Bon. Voilà. Voilà, on passe dans le tunnel. Oh, merde! Attends. Ah zut, hein, je voulais passer par le gros anneau, mais j'ai pas pu. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis après tout, on s'en fout un petit peu. Bon, on va passer quand même au niveau 3. Voilà. Ah, nouveau bouclier. Bon, excusez-moi si je dis pas un seul mot, j'essaie de me concentrer. Hein. Oh. Mais se concentrer en jouant, c'est pas souvent peu. C'est pas souvent facile. Alors attendez, bon, c'est pas grave, de toute façon je comptais aller en bas. Allez, on passe une fois dans le tunnel. Ah zut, bon c'est pas grave. Oula, oula, et doucement, 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 Sonic. Je sais que t'es rapide, mais essaye d'apprendre à finir, s'il te plaît. Oh, attendez, il y a quelque chose qui est tombé. Voilà. Oula, ouf, oula. Bon, ça va, ça peut être une ROM hack du premier jeu Sonic. Il respecte bien. Le jeu, enfin, non, le tout premier jeu, bien sûr. Voilà, attendez, et voilà. Bon, toi, tu disparais. Bonjour, petit lapin, et joyeux Noël! Alors, attendez, je récupère encore les petits anneaux, voilà. Allez, encore des petits. Ah, c'est là où on doit affronter Robotnik. Oui, voilà, c'est là, c'est là, c'est là. Ok, vas-y, petit. Vas-y, mec. Voyons voir. Ouais, ça va. Allez. Un coup classique. De toute façon, on a tous affronté Robotnik. Oula. Merde! Ah là 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 là. Ok, c'est lui qui m'a niqué. Pas grave, pas grave, pas grave. De toute façon, ce n'est que des anneaux après tout. Voilà. Voilà! Échec et mat! Allez, salut! Et joyeux Noël! Voilà! Et on a délivré les petits animaux. Voilà, c'est parfait. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc Sonic the Hedgehog, ou plutôt la ROM hack de Sonic the Hedgehog qui s'intitule Christmas Edition Online. Bon, un très bon jeu, bien sympa, bien artificiel. Franchement, c'est pas mal. Franchement, j'adore, surtout pour une ROM hack. Voilà, donc si vous voulez y jouer, bien évidemment, je mettrai le lien en bas de la description si ça vous tente, bien sûr. Voilà, donc c'était donc Sonic the Hedgehog Christmas Edition Online. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement ainsi que le partage. Et d'ici là, salut et surtout, avant toute chose, joyeux Noël! À très bientôt.